ألو، السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم. نشكر كاع الناس اللي معنا في هذا اللايف الجديد اللي كنديرو طون لو كادر ديال الفورماسيون اللي كنديرو يوميا. معنا اليوم سيمون صيف النجيم، أستاذ بلافيستي ديال المحمدية. كنشكروه على الانيسياتيف ديالو، وأنه وفى بالوعد ديالو أنه قال لنا أنه يكمل لا سيسيون ديال لا فورماسيون ديالو على ليفيكاسيتي انرجيتيك. سي منصف، مرحبا بك. دونك سي منصف ديجا كان معانا في واحد لا بروميير سيونس ديال ليفيكاسيتي انرجيتيك في الباتيمون. دونك بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش هذيك لا سيونس، يمكن نرجعوا ليها هنا في لا باج ولا سور لا شين فيسبوك. دونك اليوم سي منصف غيكون عندنا في لا دوزيام بارتي. مرحبا بك سي منصف، ولك الكلمة. مرحبا سي جواد. الوغ وقيلا نبداو ديريكتومون في ليسونسيل ديال لا بريزونطاسيون. الوغ شفنا في لابارتي الاولى لي ديفينيسيون ديال تو سكي بون كاركتيريستيك ديال لونفلوب تيرميك ولا لونفلوب ديال الباتيمون. نوتامون شفنا واحد البارامتر لي تري امبورطون لي هو كوفيسيون thermique ou bien coefficient de déperdition thermique. Je fais là de même mentionner la chaleur ou la conductivité thermique ou mentionner la résistance thermique. Ou alors je fais là pour les deux cas, nisbal les parois, nisbal les baies. Donc le bâtiment qui en ce moment a deux parties, quelles sont les parois? Les parois thermiques droit ou en ce moment les parois intérieures ou extérieures. De même, on peut considérer les baies qui feront d'arriver les fenêtres, d'arriver les portes, et ainsi de suite. Donc, on a donc les notions, même comment on peut les mesurer ou bien les calculer, les parois, les fenêtres, les portes, et ainsi de suite. On a ensuite le règlement thermique de la construction au Maroc. Donc, on a l'approche perspective, l'approche donc performantiel. On a qui fait avec les approches thermiques. Alors d'abord on va attaquer tout ce qui concerne l'application de donc les notions. Alors pour les appliquer, lorsqu'on parle de l'efficacité énergétique, c'est pas toujours efficacité de la production active, mais il y a des solutions qui sont aussi passives. Un exemple, même si on parle de climatiseur d'eau, on doit l'efficacité telle telle ou telle telle. Alors il faut chercher déjà où on peut éliminer maintenant le climatiseur ou le chauffage, mais c'est un luxe gars, mais l'oul. Donc à domaine qui est les notions de l'architecture bioclimatique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc à travers la présentation. Donc le titre de la présentation pour la première partie, c'est notions de l'architecture bioclimatique. Alors la présentation. Voilà. Voilà, donc à une chauffe les notions. Alors déjà, qu'est-ce que la conception bioclimatique? C'est tout simplement adapter le bâtiment aux conditions météorologiques spécifiques. Donc il faut adapter avec le besoin de bâtiment d'Enna, tout simplement la météo de la région, le milieu. Ou ceci en s'appuyant sur un minimum de sources d'énergie auxiliaire, c'est-à-dire d'autres sources d'énergie qui sont auxiliaires. Alors, parmi le principal fournisseur de l'énergie, ou le soleil, quel que soit le type de l'énergie, l'origine de là, ou le soleil. L'éolienne, l'origine de là, ou le soleil, puisque la différence de température entraîne une différence de pression et entraîne le déplacement du vent. Donc, l'origine, c'est le soleil toujours. Donc, le bâtiment, on se base généralement sur le soleil pour viser avec le bâtiment qu'il soit bioclimatique, c'est-à-dire d'origine, qui fait maintenant que le bio, les légumes bio, de maison, elle est bio. Elle n'a pas besoin de loi de source bzaf ou d'autres sources de l'énergie.
Alors, puisque c'est le soleil qui est le principal élément, fait de la conception de la maison, là, la perception, le captage le maximum du soleil, et cela pour l'hiver, pour éviter le soleil, l'été. Alors, en se basant à la définition, donc, il y a deux éléments pour les maisons bioclimatiques, il y a des solutions passives et des solutions actives. Alors, quel est l'intérêt de la conception bioclimatique? C'est tout simplement, il faut assurer un confort des occupants, un cadre de confort thermique. Donc, grâce à tous les occupants, ils connaissent, مرتاحين داخل هذيك لا ميزون ما خصش يحسوا بالبرد ما خصهمش يحسوا بالسخونيه في الصيف دونك سولا il faut réduire les besoins énergétiques خصنا نقصوا من الشوفاج l'énergie de chauffage l'énergie de la climatisation et l'énergie pour l'éclairage aussi alors il faut contrôler aussi l'humidité là le milieu très humide وقال سيمون صيف عنده شي مشكل ديال لا كونيكسيون دونك راه غادي يرجع دابا يا بخي Est-ce que ça marche maintenant dans ma connexion? Si j'ai. Alors je continue. Donc il faut assurer l'éclairage naturel. Possible, donc Marsnach est normalement de la lumière pendant le jour, donc Marsnach l'éclairage artificiel. Alors, de ce faire, c'est la démarche bioclimatique qui est basée là normalement trois axes. Alors, le premier axe, c'est de capter. Il faut capter le maximum de l'énergie. Deuxièmement, il faut stocker cette énergie et la diffuser d'une manière raisonnable. Alors, la diffuser, stocker déjà, par exemple, l'hiver, mais c'est toi qui connais le bird, donc, bravo, qui connais le bird, c'est surtout. Donc, il faut capter le maximum pendant le jour, enfin, ça capte le maximum de l'énergie du soleil, et après, il faut la diffuser pendant la nuit. Là, on a droit à l'énergie thermique. Donc, ensuite, c'est de conserver l'énergie, maintenant, il y a un chauffage à l'intérieur ou la climatisation à l'intérieur de la maison, sinon qu'on conserve avec l'énergie, il faut marcher dans la maison. Donc, on a les trois axes principaux à l'échelle basale, donc la notion de bioclimatique. Voilà, donc après, comment arriver à la maison bioclimatique? C'est de capter le rayonnement solaire, comme j'ai dit déjà, c'est capter le maximum de le rayonnement solaire. Stocker l'énergie captée, distribuer cette chaleur dans l'habitat, et ça dépend donc comment est-ce qu'on est dans l'été ou l'hiver. Il faut réguler la chaleur. Il y a des climatiseurs ou des chauffages. Donc, il y a des éléments, c'est la régulation de la chaleur. Et en sorte, c'est éviter les déperditions, du levant, bien sûr, ou là, il faut utiliser des énergies renouvelables pour compenser avec le besoin énergétique. Donc, on vise à l'autonomie du bâtiment du côté énergétique. Voilà. Alors, le premier élément qui joue le rôle principal, le captage de l'énergie, ou l'orientation du bâtiment.
Donc, l'orientation d'un bâtiment, il a un impact sur les performances, bien sûr, et conditionne l'intégration de plusieurs éléments. Donc, déjà, le premier élément, toujours qu'on a droit, le captage de l'eau solaire, donc c'est les apports solaires, la préservation du confort d'été, donc marche avec l'énergie ou avec le bruit de la maison, l'usage de l'éclairage naturel et l'intégration des équipements, des énergies renouvelables comme le photovoltaïque ou le chauffe-eau solaire, ainsi de suite. Alors, l'objectif, l'orientation, c'est toujours récupérer le maximum les apports solaires l'hiver. En même temps, il faut réduire les apports l'été. Donc, il y a qu'un endroit l'hiver, on veut capter le maximum de l'énergie solaire. Par contre, l'été, il faut éviter, donc il faut des ombres, tout simplement. Alors, la bonne règle, c'est que le maximum des fenêtres, ceux qu'on orientait entre le sud et l'ouest. Ou bien, bon, le sud est bien sûr sud-ouest et sud et sud-est. Il faut éviter les expositions directes, donc marcher qu'on a les fenêtres directement l'est ou ouest, qui suivent la courbe du soleil. Là, c'est le soleil qui a cette date, pardon. Donc, il y a l'ouest, donc le maximum de l'énergie, la paroi. C'est bien sûr l'hiver, mais pour l'été, c'est à éviter. Alors, l'exposition ouest est la plus déconseillée, vu la raison de l'igna. Elle cumule la chaleur de matinée ou le midi, donc solaire, quand je mets de l'énergie. Alors, l'exposition sud, c'est la plus intéressante pour respecter le confort en été et récupérer les apports solaires gratuits pendant l'hiver. Elle a tout simplement fait terre à Chimskaskoul Fort, donc le trajet d'Yalatikon Fort, la toiture. Généralement, il a d'attirer un masque solaire comme des rideaux, là, chez Hajab, des masques, des trucs à cacher la maison, on peut empêcher avec le rayonnement d'être la maison à travers les fenêtres. Alors, cette règle, elle est très importante car la bonne maîtrise des apports solaires, alors, on a entre 15 à 20% des besoins d'énergie grâce à l'orientation déjà. Donc, il y a quand l'orientation du bâtiment bien là, on a 15 à 20%. Bon, généralement, les villes, c'est pas nous, c'est pas le constructeur qui oblige à l'orientation, mais c'est d'altre-tête, donc on met qui donne l'orientation. Donc, a dit, c'est une notion qui est très importante, la conception des quartiers déjà. Voilà, donc on a un schéma qui représente ce qu'on vient de dire. Alors toujours, il faut avoir l'orientation vers le sud. Et donc on a, voilà, l'ouest et l'est. Hadi, c'est à éviter. L'orientation vers l'ouest, c'est à éviter. Donc toujours, on a, il faut avoir l'orientation vers le sud. Ou de même, les chambres ou les espaces les constamment le sud, exposer le soleil. الحاجه اللي ما كنستعملهاش تكون في لا فاس نور. علاش النور؟ لان ما كيوصلوش لو سولي. دونك بحال لي كاراج باغ اكزومبل الفو ميو لي ميتر دون لا فاس نور اورينتي فيغ لو نور. دونك لا جو بارل بور لو ماروك بور ليميسفير نور ديال لا تيغ. دونك الا كنا في ليميسفير سود راه سي لانفيرس. الوغ دابا هضرنا على لا ريسبسيون لورينتاسيون ديجا le bâtiment. Un autre paramètre, c'est l'agencement des pièces. Alors, pour limiter la consommation, il faut privilégier l'orientation sud pour les pièces du jour. Les pièces du jour, c'est-à-dire les pièces les restent à par exemple, fin de et ainsi de suite. Il faut aussi privilégier ou la favoriser des matériaux à forte énergie pour les parois intérieures. Ils vont capter la chaleur fin. Ou ils vont la restituer ou l'échanger avec le milieu pendant la nuit. Et donc, c'est comme des radiateurs. Alors, il faut se disposer, donc, une disposition en ordre des pièces pas ou peu chauffées, c'est ce que je viens de dire, comme les garages, les celliers, ainsi de suite. Alors, il faut regrouper aussi les pièces de nuit qui sont moins chauffées en général. Toujours fait au même endroit.
Voilà, c'est un exemple d'une construction bioclimatique. Enfin, là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Alors, on voilà, dans le laser. Voilà, là, qu'est-ce qu'il faut? Le séjour, par exemple, les wakits s'utilisent généralement dans le nord, qu'il faut le favoriser vers le sud. Donc, orienté, ou la jette le sud. Là, les chambres, par exemple, il y a une chambre vers le sud. La cuisine aussi, quand tu as le bonheur. Alors, les espaces tampons, les quand tu as le les escaliers, les placards, les entrées, le hall, et ainsi de suite. Donc, il faut mieux les orienter la face nord. Le garage aussi, les bains, ils sont mieux qu'on la face sud. Peut-être on gardera la chambre d'Elnès, par exemple, tu la face nord. Là, chez Elnès, quand tu as le bonheur, il faut que il n'a pas besoin d'un chauffage bizarre, mais quand je fais le nahar kamel, c'est seulement avec l'île d'Elnas. Donc, généralement, tu connais des couvertures, ainsi de suite. Il n'a pas besoin de beaucoup de chaleur. Alors, là, enfin, bizarre quand on a l'hiver ou le chauffage, mais je n'en goulou, mais le confort d'été. Pour le confort d'été, il faut donc protéger les fenêtres, puisque là, on vise toujours à capter beaucoup d'énergie solaire. Donc, généralement, donc les fenêtres d'Yaouna, qu'on a exposé le soleil. Donc, là, il faut les protéger. Et là, c'est tout simplement pour gagner avec le confort en été. Alors, pour cela, on peut faire des rideaux, par exemple, comme l'exemple ici, où il y a des rideaux solaires, des masques solaires, ce qu'on appelle des masques solaires. Si on peut planter des plantations, surtout les arbres à feuilles caduques, pardon. À l'âge caduque, les arbres à feuilles caduques qui taillent le roc. Donc l'hiver, qui vont laisser avec le soleil, les rayons du soleil, ils sur les fenêtres. Par contre, l'été, qui est dans donc ils vont former un masque solaire naturel qui empêche l'entrée de l'environnement, les fenêtres. Donc, c'est une manière il y a naturelle. Alors là, c'est un exemple qui illustre le phénomène. Enfin, vous voyez là, c'est un bâtiment qui est orienté vers le sud. Alors, l'été, on sait bien que Chimskatkoulfok, donc la position d'elle est toujours en haut. Au l'hiver, qu'est-ce qu'on en bas? Alors, l'été, généralement, là, ça met des arbres caducs. Qui connaît les feuilles, ce qui fait qu'ils forment un masque, ils vont mettre un ombre sur à la façade. Par contre, l'été, non, ils perdent les arbres de l'ombre et donc ils vont laisser le soleil entrer vers les fenêtres et donc il y en a qui restent en chauffage. Un autre paramètre qui est aussi important, c'est de planter des arbres, par exemple, sur l'autre côté, ou surtout sur le côté fin qui le vent. Alors, c'est comme un obstacle pour le vent, et donc, il n'y a qu'un chauffeur, on va grâce à une ventilation. Donc, ventilation, c'est comme un refroidissement naturel. Et bien sûr, vous voyez, il y a déjà les espaces tampons, quand il y a le côté qui n'est pas exposé au soleil. Et là, il y en a qui veulent déjà. Donc, voilà un autre schéma qui illustre en globalité l'espace. Donc, il y a une maison ici, il vaut mieux l'orienter vers le sud. Alors, ce que vous voyez, c'est le chemin du soleil. Par exemple, le 21 juin, c'est le plus long chemin. Pour le 21 mars, entre les deux, le 21 décembre, c'est le plus court. Donc, c'est ce qu'on voulait, Kepoal, Nahar, et ainsi de suite. Alors, il faut éviter de planter des arbres à la face sud. Pourquoi? Pour laisser le captage. Alors que là, on peut les capter. Donc, on peut planter des arbres sans problème et sans rien croire. Ma khafouch le bâtiment du nord, il a la perception du soleil. Voilà, donc ensuite, enfin, je fais l'orientation, je fais le captage, donc il faut capter le smito. L'agencement, j'ai qu'on sud, la face orientée nord, ainsi de suite. L'autre paramètre, c'est la forme et le volume. Alors, quand on a la forme et le volume, quand on a la compacité du bâtiment. Alors, la compacité est importante dans la conception climatique. C'est tout simplement, comme j'ai dit, la phrase, il faut comprendre que les murs ne sont que des radiateurs. On appelle des échangeurs, des radiateurs qui vont échanger de la chaleur. Alors,
des radiateurs en été, bien sûr, et des radiateurs inversés en hiver. Donc, il constitue normalement une surface d'échange. Et donc, lorsqu'on parle d'une surface d'échange, il a brûlé limité avec les échanges et à l'objectif de l'efficacité énergétique du bâtiment, la surface d'échange, tout simplement. On a généralement, je nous dis qu'on en contact avec le milieu extérieur, c'est les murs extérieurs, ce n'est pas intérieur. Et donc, il faut limiter la surface extérieure de telle façon à avoir le maximum de volume, tout en gardant le volume. Mais la diminution de la surface d'un maximum de volume, non. C'est tout simplement toujours avoir le même volume, mais avec le minimum de surface externe. Donc, on peut dans le paramètre qui est la compacité. Donc, l'objectif est de rendre un bâtiment compact et de limiter la surface d'échange. Par conséquent, l'architecte ou bien le thermicien cherche à minimiser la surface de déperdition tout en maximisant le volume. Alors, la compacité, comment on peut la calculer? Vous avez la relation là, c'est la surface d'enveloppe déperditive sur le volume habitable. Donc voilà, maintenant je mets 3 ou bien 6 exemples pour un bâtiment de même volume. Donc, les bâtiments, les cachefaux de 1 jusqu'à 6, donc le même volume, mais la surface d'échange est différente. Alors, bien sûr, le schéma, le premier schéma, les rôles numéro 1, c'est le plus compact. Donc, vous voyez, on a la surface d'échange, donc on calcule facilement à chaque, donc c'est 100 mètres carrés fois la hauteur. Donc, il y a quand même 3 mètres de hauteur, donc c'est 4 fois 10 fois 3 mètres de hauteur. Alors là, vous voyez, là, j'ai calculé, alors déjà qu'il y a 1,55, donc calculer par exemple là, de la surface, plus de la surface, ainsi de suite. Alors, il y a plus que 1 à 6, de la compacité qu'a dit. Je répète, c'est le même volume. Alors, il a calculé toujours le volume, c'est le même, vous allez trouver la même chose. Ce qui diffère, c'est la surface des murs externes. Donc voilà, si on calcule la compacité, alors la forme 1, et je le répète, c'est la plus compacte. Et donc, la surface la plus bioclimatique, il va limiter les déperditions, bien sûr, puisque la surface d'échange est limitée. Donc, en relation à la compacité, donc elle est de 1. Donc, la surface, toujours, il y a 100 mètres carrés. Alors, la surface 2, c'est 100 mètres carrés, mais la compacité, elle est de 15%. Alors, 3 jusqu'à 6, le sixième cas, c'est de 50% de la surface, elle est le premier cas. Et donc, on a une compacité de 1,5. Donc, voilà, donc il faut éviter des structures à dos. C'est déperditif, ils vont que des pertes de l'énergie. Alors, l'autre paramètre, c'est le stockage de la chaleur. Alors, le stockage, il est assuré par deux principes. Le premier principe qui est important, c'est l'inertie des matériaux. Donc, ce qui joue le rôle de l'inertie des matériaux, il y a la capacité thermique, CP. Donc, plus que CP dialogue, plus qu'il retient beaucoup d'énergie, plus il relâche de l'énergie. Donc, il faut que son CP, la capacité thermique ou la massique thermique, ça tourne modéré, favorable pour l'énergie thermique. Favorable tout simplement, la chaleur bonheur, ou fil, il va réaliser la chaleur vers la chambre par exemple, ou bien un salon, ça dépend du milieu à étudier. L'autre paramètre, c'est l'isolation. Elle a changé l'isolation tout simplement parce qu'on va chauffer la chambre. Donc, on investit beaucoup d'énergie pour la chauffer. Il y a par exemple un climatiseur ou une chaudière. Mais si on ne met pas de bonne isolation, l'air, donc l'infiltration par rapport au passage de l'air, il est maintenant acheté les éléments à dos. On a un produit ou en même temps on perd avec le produit. Donc, il faut avoir des isolations dans les maisons, tout simplement, parce que c'est une autre manière, tout simplement, de stocker de l'énergie. Donc, il y a quand même une bonne isolation. Ça veut dire que c'est un bon stockage de l'énergie à l'intérieur de la chambre. Comme exemple, les voies simples. Il y a quand même une chambre ou un climatiseur. Alors, je produis, c'est vrai qu'un bred, mais
Donc, je suis sur place. Annie, je suis en confort, mais en même temps, je vais perdre. J'ai investi beaucoup d'énergie. Alors, il y a l'isolation. Non, l'isolation, quel que soit les murs ou là, je ferme la porte. Alors, d'acheter les brutes qui est pas un deal d'achat stocké. Et donc, les échanges avec le milieu extérieur qui sont. حتى كيما تيزور غادي يقدر يوقف واحد الوقيته من بعد يخدم تاني واحد شويه على حساب شحال دوك لي ديبارديسيون. دونك هنا سي بور سا ليزولاسيون لي تري امبورطونت. Alors, la maison bioclimatique, elle est pourvue de dalles ou de murs denses, constitués de matériaux à forte inertie thermique. Donc, pas le béton, là, les pierres terre, et ainsi de suite. Donc, les dalles à dos ou la lumière dense, ils vont emmagasiner la grande quantité de chaleur le jour et vont la rediffuser pendant la nuit. Et là, la nuit, c'est qu'on ou bien sûr, la période froide. Donc voilà, c'est le principe, c'est tout simplement pendant le jour, on va capter de l'énergie, puisque le soleil raken, qu'est la chance, donc on va capter beaucoup, donc la période, c'est la période de captage, de maximum d'énergie. Après l'île, donc on peut voir bien sûr. Et bien sûr, là, il faut fermer la fenêtre, là, pour laisser l'énergie à l'intérieur. Après la nuit, on peut ouvrir les fenêtres, comme ça, on fait l'effet de la convection, et donc en même temps, les parois vont relâcher de la chaleur vers le milieu intérieur. Et donc, là, la ventilation, c'est très important. Et là, j'ai laissé avec le renouvellement de l'air, en même temps, la convection qui favorise le transfert de chaleur. Voilà, donc ensuite, là, c'est tout ce qui concerne le thermique, mais il y a aussi un axe très important, l'éclairage naturel. Enfin, il ne s'agit à rien de mettre, bien de construire, là, mais en considération la lumière ou bien l'éclairage naturel. Donc, c'est le mode normalement d'éclairement le plus agréable. Personnellement, on a qu'un frère qui chauffe tout le temps, c'est beaucoup mieux que les lampes. Et donc, là, c'est agréable que ce soit pour le confort, c'est plus confortable que les lumens ou les lumières artificielles. Alors, l'éclairage artificiel aussi, il présente la partie Kbira, les cas de consommer l'énergie. Et donc, tout le mazbna l'éclairage naturel, tout le matin, nous sommes dans le besoin énergétique d'éclairage. Alors, une bonne gestion de la lumière naturelle alliée au contrôle de l'éclairage artificiel présente tout en améliorant le confort visuel des usagers. Là, le confort visuel, c'est ce que je dis, toujours avec le naturel, c'est toujours plus confortable que l'artificiel. Voilà donc l'avantage des bâtiments qui intègrent les éléments de Captaba. Donc, et là, je mets en garde les éléments, c'est-à-dire le captage de l'énergie, l'orientation, l'inertie thermique et l'éclairage naturel. Les bâtiments qui intègrent les éléments à des principes de l'architecture bioclimatique et subsistent sans difficulté de 50% à 60% de leur 70 bien sûr de leurs besoins en chauffage pendant l'hiver et généralement on n'a pas besoin de la climatisation mais je vais flétée. Donc là ça on a des critères à nous. Même quand je vais à la climatisation flétée, je suis à de chauffage pendant l'hiver. Alors bien sûr, parce qu'on a les chauffages ou le besoin de climatisation au chauffage, on a le confort thermique. C'est-à-dire le conseil de consigne de 18 ou 19 l'hiver ou la consigne de 26 l'été. Voilà. De ce fait, si on respecte les éléments à dos, ce type de bâtiment n'a pas besoin que de systèmes de chauffage très simplifiés. Donc, chez Webstat, pour le. Ils ont l'avantage de la chaleur en hiver et fraîcheur en été, en été pardon, alors ils sont confortables grâce au principe de stockage et diffusion de chaleur. Voilà, donc c'est ce qui concerne la conception bioclimatique. Donc, comme je répète encore, le premier objectif, au moins, de construire d'une manière à viser l'autonomie énergétique, que ce soit chauffage ou bien climatisation ou bien l'éclairage.
Donc, c'est un paramètre très important avant de penser comment produire avec la chaleur ou là le froid. Donc, maintenant, on va passer à un autre axe qui est très important. Alors, celui de. Je vais normalement. Je pense que c'est un problème de connexion encore. Voilà, très bien. Alors, l'autre axe, c'est les solutions, puisque là, elle a les solutions bioclimatiques, naturelles. Alors, à la suite, on va passer aux solutions artificielles pour l'efficacité d'un bâtiment. Alors, supposons, là, surtout à dos, c'est pour des maisons là, qui existent déjà, donc des bâtiments qui existent déjà, comment on peut les rendre efficaces énergétiquement. Alors, la démarche d'amélioration de l'efficacité énergétique doit penser globalement, à porter à la fois sur le bâtiment, mais également sur les équipements. Alors, toujours qu'on a droit à les équipements et le bâtiment, ou le système en général. Alors, pour que la démarche soit complète, rester à intégrer des énergies renouvelables. Pourquoi? Pour compenser donc les besoins liquides les solutions. Alors, les solutions d'efficacité énergétique consistent le plus souvent à économiser. Le premier objectif, c'est d'économiser de l'énergie à service rendu égal ou à augmenter le niveau de service. Tout ça veut dire tout simplement quoi? فاش كان فيزي انايا باش نقص الانرجي ماشي غادي نقصها على حساب لو كونفور تيرميك نو مي توجور اون غاردون لو ميم كونفور تيرميك او لا كاع ميو دونك فوالا هذا هو لوبجيكتيف ديال ليفيكاسيت انرجيتيك دونك il vise tout simplement à améliorer les performances ou le rendement ديال الباتيمون avec واحد moindre de consommation d'énergie. Solutions passives et les solutions besoin de l'énergie, on n'a pas besoin d'un élément moteur. Donc, l'élément moteur, toujours, c'est l'énergie. On n'investit pas dans l'énergie. Donc, par exemple, là, comme deux exemples de solutions passives et actives, les vêtements, par exemple. انا الى بغيت نصب الحوايج باغي نشرهم باغي نشفهم بلوتو دونك فعندي دو سوليسيون كاين لي سوليسيون باسيف ونحطهم في الشمس هنايا جي با انفيستي ما حتى انرجي من عندي باش نشفهم باغ كونتر اكتيف جي انفيستي دون لينيرجي بور لي سيشي باغ اكزومبل ونستعمل مثلا ان سيشوار دونك الا استعملت ان سيشوار سي اون انرجي كي اكتيف سي اون سوليسيون اكتيف دو سيشارج. Donc voilà, de même pour le bâtiment, il y a des solutions qui sont passives, il y a des solutions qui sont actives. Alors, les solutions dites passives sont les solutions qui permettent de diminuer la consommation en modifiant, en améliorant les qualités intrinsèques d'un bâtiment. Acheter des qualités intrinsèques, c'est l'isolation de l'enveloppe, l'étanchéité à la vapeur, l'humidité, donc le vitrage aussi, ainsi de suite. Donc, on a qu'à modifier les propriétés thermiques normalement de l'enveloppe. Voilà, c'est ce qu'on modifie. Ces modifications des propriétés de la géométrie, la compacité, voilà, les paramètres les chiffres là. Donc, dites-moi des solutions passives. Alors, je n'ai pas des solutions, les propriétés pour le choix des solutions passives. Alors, le premier élément, j'ai parlé de la capacité thermique. Enfin, la capacité thermique massique, le stockage interne les murs. Donc, stockage de l'énergie. C'est le principe de l'inertie. Donc, elle reflète tout simplement l'inertie thermique.
Alors, l'autre paramètre, c'est la densité ou la masse volumique. Donc, là, c'est la lourdeur des parois, si elles sont très lourdes ou légères. Donc, l'autre paramètre, c'est la résistance thermique ou la conductivité. Ah, ou là, le coefficient de déperdition thermique. Donc, tous des éléments qui caractérisent le matériau. Est-ce qu'il est plus conducteur de la chaleur ou là, moins conducteur ou là, autrement, est-ce qu'il résiste ou là, ne résiste pas le passage de la chaleur. L'autre paramètre, c'est le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau. Donc, elle est par vapeur et l'étanchéité, bien sûr, tout ça, c'est l'étanchéité soit à l'eau, soit à l'air. Voilà. Et donc, le choix des isolants, moi, généralement, je qu'on a là les solutions actives qu'on a droit à les isolants. Et donc, les isolants, il faut avoir normalement de la résistance thermique très élevée, de la masse volumique liée à moderne, donc ma tranche Kubera-Bzef, la capacité RSAT-Compta là, et ainsi de suite. Et voilà donc un autre paramètre qui entre dans le choix des solutions passives, les isolants notamment, ou les réactions au feu. C'est-à-dire, on a fait un élément rendu de feu, l'isolant, il faut vérifier ou facilement ou là ma là ou là elle peut contribuer ou la réaliser un peu ainsi de suite. Donc, il y a des catégories selon la classification française, qu'il y a des catégories de la classification, qu'il y a M0, M1, M2, tel, donc M4. Donc, de l'inflammabilité, ni qu'on passe au M0 ou M4. Bien sûr, on trouve des isolants non classés, c'est-à-dire, moi, je suis allé les tests pour savoir où est-ce qu'on a catch. Voilà, c'est la classification française, qu'on a la classification Euroclass. Donc, on a qu'on a droit à la classe A, classe A1, A2, classe B, classe C. Donc, c'est tout simplement des classes, je t'en goulou, on a un isolant, où est-ce qu'on a là, tout simplement. Alors, il y a quand même de classe A1, A2, donc c'est très bien. Mais tu peux donc, supposons que tu as fait un autre, tu peux classe B, tu peux fait un ainsi de suite. Donc, il y a quand classe E, alors là, remarquable. Alors, l'autre paramètre qui est important, c'est la durée de vie. Famille que je n'ai rien à dire ou durée de vie de l'eau, ou rendez-vous le bâtiment, la durée de vie de l'eau 5 ans. Donc, ce qu'on doit durée de vie qui et qui sera plus proche de la durée de vie de le bâtiment normalement. Donc, voilà, ces trois paramètres sont très importants. Alors, on a toujours dans les solutions actives, qui sont les solutions pour l'isolation des murs. Alors les murs, des conseils, des recommandations pour les isoler. Les murs, déjà, ça vaut le coup déjà de les isoler ou les là. Alors, enfin, il faut savoir que les murs, ils présentent jusqu'à 25% de la déperdition thermique totale sur le bâtiment. Alors, pour limiter ces déperditions, on a deux méthodes. Donc, soit l'isolation par l'intérieur, soit l'isolation par l'extérieur. Par l'intérieur, il y a qu'un dire l'isolation du bâtiment. Par l'extérieur, qu'est-ce qu'on barra, donc le hâte barra du bâtiment, c'est l'isolation des murs externes. Voilà, pour l'isolation par l'intérieur, alors, il reste terminal l'isolation par l'intérieur, enfin, parmi les avantages, quel est le coût qui est moins cher? Mais qui touche l'aspect de la façade. Donc, c'est facile à élaborer, c'est facile à fixer et tout ça. Alors, les inconvénients, c'est la réduction de la surface. C'est bien sûr, fâche quand c'est un ou des enfants dans le d'achat. Enfin, épaisseur, on va dire que l'épaisseur, on va dire que la surface. Parmi les inconvénients aussi, enfin, il y a quand même des fenêtres. Il faut penser comment fixer donc, les isolants. Là, j'ai une des fenêtres qui rentrent en et ainsi de suite. Donc, il y a des gènes, dès que la fenêtre se casse, les isolants, et ainsi de suite. Alors,
Un autre inconvénient, les watts très importants, le watt, le dernier élément. Voilà, lorsque je parle de les ponts thermiques. Alors, malheureusement, le règlement de l'Almarib, de la TCM, ma carrière à les ponts thermiques, mais c'est un paramètre très important qui peut présenter jusqu'à 30%, ou là, ça dépend bien sûr le traitement de l'homme. Ils peuvent présenter jusqu'à 30% de la déperdition de trauma. Alors, les ponts thermiques, c'est tout simplement, enfin, si on dit, alors, ça l'a déjà fait la première partie, si on a deux parois, maintenant verticale, mais horizontale, avec le point d'intersection des deux murs. Alors, je peux dire, normalement, là, j'ai les deux murs. Je peux dire l'isolation, là, il y a l'intérieur. Ou tu peux dire le plancher, par exemple, le matériel, qui est pas un des deux qui dit, là, je ne peux pas le traiter. Donc, toujours, il y a du flux qui passe à travers donc, les intersections, ou là, les ponts thermiques. Par contre, il y a l'extérieur. Alors, là, je bloque la déperdition, qui prend un des flux. Toujours flanvelant. Donc, à avoir l'inconvénient normalement de l'isolation par l'intérieur, je ne peux pas traiter. Bon, c'est difficile déjà de traiter les ponts thermiques par une isolation intérieure. Voilà. Donc, l'isolation par l'extérieur, elle a des avantages. Déjà, le premier avantage, maintenant, la surface le suffit à l'intérieur, qu'on peut exploiter. En même temps, elle va protéger. Donc les murs extérieurs, les variations climatiques, et ainsi de suite. Le plus grand avantage en arrière, les ponts thermiques. Donc, je proche les ponts thermiques ou donc c'est tout simplement le problème, il est réglé. L'inertie aussi est très importante. Donc, confort en été, mais qui conduit des perditions de l'intérieur. Alors, un autre avantage qui est très important, il y a un bâtiment déjà qui est existant, alors il n'entraîne pas qui est dérangé, donc les travaux terminent à la barre d'isolation, on a le local direct, donc je déménager une chambre, par exemple, l'isolation, la chambre, et ainsi de suite. Alors, l'inconvénient, non, ils sont trop chers, tout simplement. Donc, l'inconvénient, on a une inertie très importante. Donc, il a quand même le chauffage intermittent, ce n'est pas convenable, fin de cas. Voilà, donc, normalement, on a les isolants sont soumis à des avis techniques. Il faut faire attention. Donc, la pose donc, les matériaux de l'isolant doit être correctement respectée. On a des règles à suivre, donc surtout fâchez qu'on a des donc dans l'absence d'une règle et prescription de pose marocaine, il est recommandé de suivre les règles techniques relatives aux travaux de construction de réhabilitation précisées dans les documents techniques unifiés, donc les DTU. Donc voilà, puisque ma tâche des normes de pose. Nous pouvons s'améliorer les normes DTU. Alors, je vérifie encore, je ne perds pas la connexion parce que. Voilà. Moi, j'ai le U. Donc, on a fait l'isolation des murs. Alors, les murs que l'on a, les murs verticales. Un endroit les toitures. Alors, les toitures doivent répondre aussi des exigences de l'RTCM ou de l'efficacité énergétique. Alors, puisque ce sont des murs horizontaux, l'étanchéité de la pluie. Donc, les isolants, les toitures sont étanches, mais sont chez les à l'air, à la neige, bien sûr. En même temps, Fachradine dit maintenant les isolants de la toiture, il faut qu'ils laissent d'aclos, ils aillent, ils doivent les canaux de la pluie. En même temps, on doit garder toujours le même confort, c'est-à-dire l'isolation thermique et phonique. Résistance aux contraintes mécaniques, généralement les toitures, par exemple, terrasses, des choses liées au matra, donc il faut qu'ils résistent aux contraintes mécaniques. Résistance aux agents physiques et chimiques extérieurs,
Par exemple, الصدى ولا لي شوك تيرميك لوترافيولي اذا كضرب ديما الشمس فيهم لاسيد الا كان شي كان دو بون حيت كتكون لاسيديتي دوك لي بلوي اسيد انسي دو سويت سيتادير كوا فاش كندير انايا مثلا اون ايزولاسيون بالنسبه للتواتور الا درتها باغ اكزومبل افخوا بيان فوالا افخوا دونك هذيك كتكون كيكون لو بروبليم ديال الكوندونساسيون ديال الو علاش لان تو سامبلومون ميم وا لو كور ديال الانسان كيطلق دو فابور دو لو نورمالمون فين كيمشي سي توجور فيغ لو هو اي دونك الا كانت ايزولاسيون افخواد دونك ولا ضال فخواد كتكون كوندونساسيون في دوك لي بار فابور اللي تيكونوا اي دونك سي با بيان دافوار سو فينومين لا ان انتيريور فين كتسكن ولا سميتو. Bon, dans ce cas, on distingue, l'isolation de la toiture, on distingue trois types de systèmes d'isolation de la toiture. Alors, il y a les toitures chaudes, la toiture inversée et la toiture froide. Alors, normalement, la plus recommandée, c'est la toiture chaude pour l'isolation de la toiture. Alors, là, je parle des toitures qui sont exposées au soleil, les terrasses, par exemple. Alors, ils ont l'avantage d'un entretien facile, ils sont légers, ils sont. Bon, inconvénient, on ne peut pas les sécher facilement. Alors, la toiture chaude désigne la toiture plate dans l'isolant. Alors, qu'est-ce qu'une toiture chaude? C'est tout simplement la toiture qui est en isolant en cette position. Donc, c'est au-dessous, au-dessus, pardon, le support. Maintenant, il y a quand l'ourdi ou la. T'as la diana, donc en béton par exemple, il fallait isoler en haut qui est le foc. Alors la différence c'est que l'étanchéité, donc qu'est-ce qu'on a là, c'est foc l'isolant, c'est-à-dire la toiture chaude. Donc je répète, pour la toiture chaude, qu'est-ce qu'on a l'étanchéité foc l'isolant. Tout simplement, l'étanchéité c'est pour éviter le passage de l'eau, par exemple de la pluie ou de la neige, l'isolant. Là, il y en a tout simplement avec l'isolant. Généralement, les isolants sont fragiles par rapport à l'eau. Donc, une fois qu'ils disent la vapeur, même la vapeur, qu'est-ce qu'elle va être sans. Donc, elle est recouverte par la membrane d'étanchéité pour cela. Et on met encore par vapeur, Naya, tout simplement pour éviter avec le passage des vapeurs le support, par exemple le béton, les isolants Naya en jaune. Voilà, et comme j'ai dit, c'est la plus recommandée pour. L'installer. Donc, on préférera la toiture chaude par rapport à la toiture inversée, ce qu'on va voir dans la suite. LH, tout simplement, il est facile pour l'entretien. Il a les isolants, je peux le remplacer facilement, et ainsi de suite. Voilà. Bien sûr, fâchez qu'on les stages du complexe isolation et étanchéité n'est pas possible. Il ne manque pas de les stages. Donc, dans ce cas, il est favorable d'utiliser la toiture chaude. Voilà, l'autre type, c'est la toiture inversée. Alors, la toiture inversée, c'est tout simplement, c'est la même chose. Toujours, on a l'isolant, c'est fort, le support, mais vous voyez l'étanchéité qui est là, entre l'isolant et le support. Donc, on a fait l'étanchéité, et donc, c'est pour ça qu'on dit inversé, on inverse l'étanchéité. Donc, Fait le Canada, normalement, l'isolant, il est exposé à la pluie. Donc, comme j'ai dit, chta ou l'humidité, il va endommager avec l'isolant. Alors, l'isolant est donc mouillé par les eaux pluviales. Alors, pour éviter cela, il faut lester l'isolant, le lestage. Donc, le lestage, on rajoute la couche de lestage. Voilà. Le dernier type, donc voilà, entre parenthèses, la toiture inversée peut être envisagée lorsque la membrane d'étanchéité elle est existante déjà ou la récente est peut-être récupérée dans le Hidoha. C'est-à-dire, on va économiser donc le prix de la membrane Jdida. Alors, lorsque le support tolère la charge, il a le support, il est fort. Dès la conception de l'effort,
Donc, il peut supporter la couche de l'estage, ce n'est pas un problème. Mais il a la charge de le support, je peux supporter l'estage de l'infoqanel, c'est lourd un peu. Donc, c'est déconseillé déjà de l'utiliser. Voilà, donc là, c'est un exemple de l'estage, les candidats au foc. Voilà, l'estage. Voilà. Alors, toi, tu as renversé parmi les problèmes de l'A, ou fait le Canada. Plutôt l'avantage est là. Lorsque la forme de la toiture n'est pas trop compliquée, on peut l'utiliser tout simplement. Donc, il n'y aura pas de problème d'isolation. Voilà. Donc, le dernier type, c'est la toiture froide, mais ce type de toiture, il est déconseillé. Donc, c'est déconseillé d'utiliser le type. Voilà, parce que bon, il présente l'entretien, l'avantage de l'entretien il est facile, mais l'inconvénient, séchage est impossible. Dès que donc c'est impossible de sécher la structure, et il y a un risque de dégradation mécanique de la dalle ou de la toiture. Donc c'est toujours la toiture froide, c'est à éviter. Là, c'est en grosso modo les trois types. On connaît d'autres détails, les matières chaleureuses, vu qu'on est limité par le temps, bien sûr. Alors, l'isolation dans les planchers, c'est-à-dire l'ardia, toujours. Alors, l'isolation thermique des planchers concerne uniquement les projets de construction ou de rénovation lourde. Donc, parce que c'est déconseillé déjà de mettre l'isolation sur les planchers. Là, une fois que j'isole les murs, c'est tout simplement, j'ai limité avec le flux thermique à l'intérieur. Donc, il y a des projets ou des structures. Ou là, on a une rénovation lourde de A à Z. Là, on a une isolation dans les planchers. Voilà. Les solutions rapportées sur les planchers existants, et là, on a déjà un plancher. Au moins, vu les solutions, c'est toujours possible, mais généralement moins performantes. Donc, mais qu'il y a déjà un flux avec l'isolation du plancher, alors que les performances sont réduites. Voilà, la seule raison pour laquelle je vais réduire les performances, c'est parce que si j'isole, à condition, si j'isole les murs, alors là, j'ai freiné avec le passage du flux qui est prêt à dire d'achel. Donc, ce n'est pas une déperdition. Alors, pour l'isolation, malgré ça, il a besoin de l'isolation. Alors, il y a plusieurs solutions. Ça dépend où est-ce qu'il est sur terre plein, la survie de sanitaire, ou la sous-sol qui n'est pas chauffé. Alors, les planchers intermédiaires, bien sûr, on n'a pas besoin de les isoler. C'est les mêmes raisons. Donc, les murs qui entourent le local, je n'ai pas besoin d'isoler entre un local et l'autre local, donc c'est toujours là, on garde les déperditions à l'intérieur. Voilà, plancher sur sol. Le premier type, on a dit qu'il y a un plancher sur sol, plancher à vide sanitaire et l'autre sous sol. Alors sur sol, si le plancher est posé sur le sol, le rez-de-chaussée par exemple, donc le plancher de rez-de-chaussée, normalement, il est en béton. Rez-de-chaussée, toujours le plancher de l'eau, il est en béton armé. Alors, deux solutions sont possibles, soit l'isolation sous la dalle, donc l'isolation tête, ou là, en forme de la dalle. Alors, il y a de l'isolation tête la dalle, il y a un problème de la dalle de béton. Donc, un des trappes, je mets, ou la base, je mets déjà l'isolant. Et là, je vais faire maintenant avec la couche de béton, avec la dalle de béton. Alors, l'avantage de l'eau, c'est qu'il y a une continuité. Et là, à chaque fois que je rencontre une paroi ou un mur, et donc, c'est une petite année l'isolant, on garde à la forme de l'indi, et on met le mjia l'autre, ainsi de suite. Donc voilà, l'avantage, c'est que les gens peuvent avoir une continuité, et ainsi de suite. Alors, la masse de l'eau est très importante, tout simplement, puisqu'on a une dalle, donc
il doit supporter avec le poids de Dala. Et donc, puisqu'il doit supporter, soit la masse d'Yalo très, très grande, donc c'est compact. Et donc, la masse thermique de l'eau est très importante. Et ce qui diminue en même temps les risques de surchauffe en été. C'est directement au sol, ou le sol qui fait ma casse qui est humide, donc t'achetas avec toute l'humidité quelque part, puisque c'est un milieu pour eux, donc on se bat deux les zones. Donc ce qu'on étanche l'eau, ou qui résiste la compression, bien sûr, de la structure. Alors, pour le mettre, bien sûr, là, vous avez les étapes à respecter. Donc, il y a le revêtement, il y a le sol, la chape, le plancher, une couche de séparation, bon, l'isolant, et qu'il y a la terre. Donc, on a mis le tête, le fort. L'enchaînement. Au-dessus, c'est-à-dire qu'on a le fort, la dalle en béton. Alors, on a l'inconvénient d'Yalo, puisque Naya c'est un isolant, l'isolant on sait bien, mais chez Kassab Haladal, donc il a atteint une chape, donc la couche qui est en fond, qu'est-ce qu'on dit, Sima ou Ormla, donc il faut qu'il soit suffisamment armé. C'est ce qu'on casse à l'âge, tout simplement, avec l'isolant, il peut être compressé à Chouya, donc avec le plus ou moins 1 mm, il peut être des fissures, pardon, flash-up. Donc, c'est-à-dire que je crois que c'était la chape. Pour éviter ça, donc, il faut toujours que la chape soit bien armée. Voilà. Si on a un vide sanitaire, ou le cas, mais quand je vous en ai surtout le bâtiment Ladin. Pour le vide sanitaire, tout simplement, c'est un volume d'air situé sous le plancher, bas du bâtiment. Donc, il y a beaucoup de l'air, mais il y a beaucoup de le bâtiment, bien sûr. Alors, il permet de créer un espace tampon. C'est un espace tampon qui refait les tuyaux de l'ma, les canalisations de la sanitaire, et ainsi de suite. Donc, il y a un autre type de plancher, c'est-à-dire fait avec le vide sanitaire. Il y a deux possibilités. Alors, il y a quand le plancher lourd, dans l'isolation sous la dalle, ou la foque la dalle. Mais il y a un mouche. Avec le plancher léger, en bois par exemple. Alors là, on peut toujours faire tête ou le fond, ou là, dans une autre option, c'est-à-dire le vide, donc les dalles, la structure et la casse qu'on a un espace entre donc, les supports. Donc, dans du lot, l'isolation, par exemple, laine de verre, de soif, par exemple, donc les vides, mais les supports de la structure. Voilà. En grosso modo, là, c'est un exemple. Il y a un vide sanitaire, voilà, il y a un cadre, les isolants entre les structures, ainsi de suite. Alors là, il y a le vide sanitaire, donc il y a un cadre qui marche normalement, qui est dans le foc, ou qui pas la construction foc maintenant. Donc il y a un cadre, par exemple, l'ordi, qui est des structures d'ordi, qui est prêt à la chavée, qui est douze ou fait les tuyaux, ainsi de suite. Dans les murs, l'isolation d'elle. De le plancher, de la toiture, voilà, les types, mais on n'a pas parlé de ce qu'on peut utiliser comme matériau d'isolation. Alors, je fais bien sûr les propriétés de la capacité thermique ou la conductivité thermique, c'est la même chose. Donc, la classe en ce qui concerne l'inflammabilité. Alors, voilà, avant. En tout, il faut garder en esprit que plus la valeur de lambda, donc la conductivité thermique, est faible, plus que le matériau est isolant. Ou à l'inverse, la résistance thermique, R, il est quand plus isolant. Voilà, là, c'est comme un petit rappel. Alors, là, ce sont les types des isolants qu'on peut rencontrer dans l'industrie, dans le marché. Quelle est de verre, laine de roche, le watt de cellulose, l'argile, le polystyrène extrudé, expansé, le brique de terre, donc le béton cellulaire, ainsi de suite. Là, vous avez plusieurs matériaux. Alors, par exemple, là, je donne l'exemple de la laine de verre. Alors, la conductivité de l'eau, elle varie entre 0,032 et 0,056 watts par mètre par Kelvin. Donc, l'avantage, c'est un bon marché, pardon, et
يعني لو بري ديالو لي موديري ما غاليش بزاف فاسيل ا متر حتى الا بغينا نحطوه سي فاسيل سي دي بلوك ا متر دي كارو ا متر aucun danger pour la santé ماشي dangereux pour la respiration ni pour la peau mais c'est كيديرش كونسار alors un avantage il est خفيف donc facile à poser. Alors l'inconvénient dialo, c'est il peut provoquer des irritations cutanées lors de la pose. Bon, pour la peau, quand on va dire واحد الحكه بالنسبه للناس اللي كيحطوا كرانت fortement l'eau donc في ساعه كيتدغرادا الى دخل ليه الماء او الى قاستو l'humidité. Voilà, laine de roche taille aussi, c'est presque les mêmes avantages et inconvénients. Voilà les watts de cellulose. Donc, il y a les watts de cellulose. Alors, il y a aussi les dangereux pour la respiration, donc inflammation pulmonaire possible lors de la pose. Il faut utiliser des gants et des masques parce qu'on n'a pas de watts de cellulose. Donc, l'argile expansée, il y a des mouchkils de l'humakinge. Donc, le coût, bien sûr, il n'y a jamais qu'un échec de compte à la résistivité thermique. Alors, béton de polystyrène, là, c'est le béton mélangé avec le polystyrène. Bon, donc, c'est un bon isolant phonique, bon isolant thermique, mais qui relève l'humidité de deux aussi, donc, ou bien, mais qui est attaché à l'humidité. L'inconvénient, بون خصنا يد عامله مؤهله باش نحطوه و فوايي هنايا بحال هاد لو مسيو ici qui pose هاد لارجيل تا هو aussi il faut الناس اللي تعرفوا ليه pour le poser et en même temps خاصو واحد grand épaisseur pour avoir ديك la consigne du brûlage في la résistance thermique. Voilà le perlite تا هو c'est naturel حجر le prix ديالو élevé لان ما كيشتاو بزاف bien sûr tel procédé de Tkassa et ainsi de suite et demande beaucoup de d'investissement. Alors ininflammable naturel insensible ou rongeur, donc voilà il y a le polystyrène extrudé à domaine canard faux bzaf ou le polystyrène expansé. Alors voilà donc le mouchkil de l'homme ils sont toxiques donc dégagement toxique avec le temps. Voilà, donc il y a liège expansé. Par exemple, d'abord, il y a le bonheur de l'isolation au-dessus de la dalle. Au-dessus, donc on ne peut pas utiliser l'expansé, mais on peut utiliser l'extrudé parce qu'il y a la résistance à la compression. Voilà, donc on ne peut pas utiliser l'expansé pour l'isolation de la dalle ou la haja. Il y a le liège expansé, bon, Tawa parmi les meilleurs isolants phoniques, qui servent à l'isolation phonique. Donc, Tawa, ma kish, ma moujouche bzef, la nash, j'ai dialogue, ma moujouche bzef. Donc, on verra une récolte de liège de tous les 100, bien les 10 ans. Voilà, le brique de terre crue, Tawa moujoud, ou moujoud, donc, smito, dialogue. Ou de la matière première, les yatrab, mais le problème de l'ochasso, la main d'œuvre importante, ou bien les katarflis. Bon, d'abord, c'est même les villages, donc l'autoconstruction, les équipements, donc on va les faire tourner. Alors, il y a les briques monomures en terre cuite, c'est vraiment avantageux, les bétons cellulaires, donc on a plusieurs isolants, on a plusieurs choix. On a un tableau qui est récapitulatif de l'économie. Thermique de l'isolant les marofim zaf. Ensuite, il y a le choix de l'isolant. Fin de l'instant, il y a un peu de donc j'ai présenté beaucoup. En fin de l'instant, il y a un peu de temps. Alors là, par exemple, il y a les laines de verre. Je peux les utiliser sur les murs, les cloisons, le plafond, mais maintenant, je sais les toitures. Je fais le polystyrène expansé, par exemple, maintenant, je sais les toitures, alors que je peux l'utiliser sur les toitures. Et là, comme j'ai dit, il est résistant à la compression. Par contre, mon cas, ça me fait les murs, on fait les plafonds, là, donc il y a plusieurs. Parce que ça me le
باش تختاروا شنو باش من ايزولون نجيو نقول غادي نستعمل لو بوليستيرينيك سوليد في لو مور ولا غادي نستعمل البيرليت في لو مور. نو البيرليت سي اكسكلوزيفمون بور لي تواتور اي بلونشي با. فوالا دونك هنايا تقريبا شفنا كاع لي سوليسيون باسيف. كيبقاو لنا كلكو سوليسيون اون سكي كونسيرن لي بي. دونك لي بي سي تادير الفيتراج باغ اكزومبل لي فيتر. ف لي سوليسيون باسيف سي توجور دو دوبلي لو فيتراج اي دو ميتر ان فيد دون donc d'air, donc avec une lame d'air de 12 mm, avec bon, faible émissivité, ou bien une lame d'air, ou la dire l'argon aussi, ou le minimum de l'air, et ainsi de suite. Donc là, quand je fais le vitrage, voilà, comme nous sommes le coefficient de perdition thermique. Alors on peut utiliser des films solaires réfléchissantes, l'émissivité toujours, on joue sur l'émissivité, la réflexion, l'absorption, donc les vitres. Aussi, la menuiserie performante, alors le PVC doit être coefficient de 1,2. Alors, l'estamel au bois, c'est plus résistant, donc l'estamel mix car optimise l'immobilier 2. Alors, voilà, donc c'est ce qu'il faut mettre en considération. Alors, les protections solaires, je peux mettre par l'extérieur ou là, par l'intérieur, alors que l'ouest d'un dos, l'avantage est l'utilisation des roues. Alors, là, quand on a les perturbations atmosphériques, ما نقدرش نستعمل اكستيريور علاش انا يجي مثلا الريح غادي يرول لي هذيك لا بروتيكسيون اي سي تويت لوغ الا الى الى ما كانوش دونك نقدر نستعمل اكستيريور سي سي ميو علاش لان جو ايفيتي لو سورشوف علاش لان ما كيدخلش الغيوم لداخل لوغ بور الا كانوا لي بيرتورباسيون دونك جوتيليز بيان سور بروتيكسيون انتيريور كندير لا بروتيكسيون ان انتيريور ديال لا ميزون دونك هنا خصو يكون ما كيابسوربيش لا شالور بزاف علاش باش ما يديرش le surchauffe, ce qu'on a réfléchi les rayons solaires bzaf. Alors là, on a saliné les solutions passives. Quelles sont les solutions, ce qu'on appelle les solutions actives? Alors les solutions dites actives visent à optimiser le flux des ressources en utilisant par exemple des systèmes de ventilation, donc des systèmes intelligents comme les VMC, la domotique et la gestion technologique de bâtiment, le système de chauffage, le système d'éclairage. Alors les systèmes de ventilation, quand on parle de ventilation naturelle, tout simplement, c'est naturellement, c'est un dispositif actif de ventilation, d'économie d'énergie, ou le refroidissement par exemple. Alors il y a les ventilations mécaniques simple flux, les ventilations mécaniques double flux. Donc, et là, vous avez un tableau sur le principe, sur l'alimentation et l'évacuation. Alors, pour l'évacuation naturelle ou l'alimentation naturelle, on parle de la ventilation naturelle. Et là, quand l'évacuation mécanique ou l'alimentation naturelle, c'est une VMC à simple flux. Ou là, quand les deux, donc mécanique, c'est double flux. Voilà, en récapitulatif. Il y a les VMC hygro-réglables, c'est-à-dire il y a un échangeur pour modifier ou bien régler l'humidité. On peut utiliser ce qu'on appelle aussi la ventilation mécanique répartie, c'est-à-dire qu'on utilise la centrale, bon, ce n'est pas une ventilation centralisée, mais on utilise chaque local une ventilation, donc c'est réparti, donc vous voyez, il y a ici, ici, donc ils sont répartis sur les chambres et les maisons, bon, les zones d'habitat. Alors l'autre élément qui est très important, les solutions actives, chauffage et climatisation. Alors l'objectif, bien sûr, de réguler la température à l'intérieur, quand il faut climatisation, à quoi sert le chauffage. Voilà, c'est le confort thermique tout simplement. Alors, parmi les dispositifs efficaces, c'est les pompes à chaleur. Donc, les pompes à chaleur, c'est pas l'air d'étiage. Au lieu de refroidir, quand ça met le froid qui est déjà. Par exemple, je sais bien que la région d'Ilbert Bra, quand ça met avec le bird pour faire fonctionner le cycle des pompes à chaleur, les PAC, PAC. Voilà, il y a les pompes à chaleur, donc le coefficient de performance, COP, qui est mon coefficient de performance, les chimies, c'est comme un rendement pour les machines thermiques. Donc, c'est tout simplement, il a un frigo, un rendement ou bien un COP
de 1,5 enfin il a stamel tout compte par chaleur quand elle a quand ils ont un CRP dialo donc qui est à 2,5 voilà donc on a ces ongles de CRP dial les pompes à chaleur donc un bzaf donc un bzaf dial bzaf dial les avantages donc notamment qu'on augmente votre CRP. Oh, donc ça là, tout simplement ça dépend qu'est-ce qui circule fait les condenseurs ou fait l'évaporateur voilà ce qui concerne le type voilà ou bien sûr tu as le contact même par exemple sol eau ou bien sol sol ça dépend fin qu'il y a de l'évaporateur ou fin quel condenseur voilà donc il y a les puits canadiens a dit la solution les mieux le principe de là, c'est tout simplement un bir, une canalisation donc on utilise l'énergie géothermique tout simplement à l'âge parce que le sol quand on a la température de l'eau ma quatre varie bzaf fa il a kan l'été qu'est-ce qu'on le sol qui qu'on barde à la barra ou là kan l'hiver de même le sol qui qu'on seront à la vra. Donc on profite de la différence tout simplement. Alors en effet la température du sol varie peu, pendant l'année, quelle que soit la saison et se maintient entre 10 ou 15 degrés C. Alors en hiver le sol est plus chaud que l'air extérieur. Alors l'air se réchauffe et permet un préchauffage de l'habitation donc l'air qui est sous le sol pour chauffer. Le sol est le plus froid, donc on utilise l'air qui entre dans le sol pour refroidir la maison. Donc voilà, c'est un schéma tout simplement. Là, c'est ce qu'on appelle le puits canadien. Donc, quand on a la pente, tout simplement pour laisser avec le flux de l'air et douze naturellement. Ou là, par ventilation, là, hygro. Donc, c'est une VMC, ventilation mécanique hygro-réglable, là, avec un échangeur. Et donc là, il fait un échange en ayant avec l'air qui est jeté de l'intérieur, l'air qui est jeté de le puits canadien ou de l'extérieur. Donc il y a un thermostat qui va réguler, bien sûr, l'échange en ayant. Voilà chaudière. Parmi les solutions de chauffage dans ce cas, c'est les chaudières granulées de bois. Donc on a l'avantage de l'eau, mais ils ont un rendement très très élevé, donc entre 90 et 95. Pour cent rendement. Alors le prix moyen d'une chaudière bois c'est entre 35 000 dirhams ou 80 000 dirhams. Donc ça diffère bien sûr les marques. Il y a des marques qui ont des prix principaux des chinois qui ont des ça ou ainsi de suite. Donc voilà c'est un type de la chaudière là qu'on utilise du bois bien sûr le bois rouge. On peut l'utiliser pour le chauffage. Alors, parmi les solutions aussi actives, c'est les planchers chauffants. Alors, le plancher chauffant, c'est tout simplement, on met un échangeur le bas d'il y a le plancher, comme celui-là. Donc, il y a soit par un circuit d'eau, soit par un circuit électrique, ou quand on a une pompe qui va pomper avec l'eau, par exemple, des canalisations, qui connaît de chauffe-eau, par exemple, solaire, qui va chauffer avec l'eau, ou avec l'eau, il va circuler là. Et bon, façon, tu croyais, par exemple, le carrelage ou les chéhages, c'est ce que je veux dire. Et avec la chaleur qui circule, donc avec le masseron qui est dans la chaleur, avec la chaleur, avec le zlige, maintenant, ou là, ou zlige qui a dit le fort, et donc on sait bien que toujours la chaleur quand même chez milieu le plus chaud vers le plus froid pardon donc à partir là on a la chaleur le fort on peut utiliser la bon alors là on peut utiliser l'électricité mais ça nous dirons un panneau photovoltaïque c'est pas un panneau mais un système photovoltaïque pour alimenter électriquement la plaque chauffante ou la plancher chauffant alors il y a le plafond rayonnant c'est presque le même principe de l'aide sauf que on le met en haut. Donc, on va dire le texte qu'on dirait le fond. Alors, le plafond rayonnant est une solution de chauffage qui s'apprend au chauffage au sol. Alors, le plafond qui est aussi qui est électrique ou qui est hydraulique, c'est-à-dire qu'un stable l'eau,
كنستعملوا الكتريسيتي سي لا ميم شوز دونك فوالا سي لي تيب كي اكزيست الوغ كاستيون كو ليشونج سو في دونك il va rayonner de la chaleur. Parmi les solutions, c'est l'eau chaude sanitaire. Pardon. Donc, bien sûr, on sait bien que les maisons qu'on s'installe le masseron. Alors, qui va s'installer le masseron par le gaz ou l'électricité ou là. Donc, ça entre aussi dans l'efficacité énergétique. Donc, il vaut mieux utiliser des solutions solaires, économiques, comme les chauffe-eau solaire, l'eau chaude sanitaire. Donc, il y a plusieurs types. Adorat, je ne sais pas si j'ai une formation. Alors, là, il y a des chauffe-eau thermodynamiques. Voilà. Donc, les chauffe-eau à tube sous vide, les chauffe-eau avec des capteurs plans, les chauffe-eau à effet thermo siphon, la circulation naturelle, la circulation forcée. Et donc, voilà ce que vous pouvez utiliser pour l'eau chaude sanitaire. Alors, il y a un dernier élément, l'éclairage. Donc, 14% de la consommation, quand je chiffre l'éclairage, c'est 15%. Alors, il faut optimiser avec l'éclairage et tout. Donc, les LED, les lampes fluorescentes, les LED, et ainsi de suite. Donc, les LED elles sont plus efficaces à les lampes fluorescentes. Il vaut mieux utiliser des lampes à LED pour l'éclairage. Voilà. Donc, autre solution active, c'est l'intégration du photovoltaïque. Bien les BIPV, Building Integrated la smartphone. Il y a très importante. Alors voilà. L'autre partie, c'est la simulation. Puisque d'abord, je finis normalement à des éléments qui sont techniques et nés de connaissances. Bakri, le milieu d'application de tout ça. Si j'ai de Bakri Loire, celui-là, je vais. Si j'ai de. Oui, c'est bon, c'est. Donc, quelques questions, nous allons rapidement et comme ça, peut-être que la participation, nous allons voir le chemin de l'autre, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, nous devons le voir. Alors donc si Oussama Kaysoul là le matériau باش كيخدموا في العروبيه oui. والتراب oui exemple هو ماتيريو اللي تيخدموا في العروبيه البني تيشد السخونيه بالنهار وتيطلق في الليل وي جوستومون فدوك لو مور ديال العروبيه تيكونوا فاول حاجه هو لو تيركوي ولا التير جينيرالمون اللي هو كيتميز بواحد الانيرسي تيرميك دونك عنده اون كاباسيتي تيرميك سي بي très importante, donc c'est pour ça qu'elle capte. Le deuxième facteur, c'est la masse d'eau, puisque nous n'avons que par la masse d'eau, c'est-à-dire l'épaisseur d'eau, quand je dis de la chaleur, c'est pour ça que les murs de la robia captent beaucoup de la chaleur, donc ils vont relâcher de la chaleur vers l'habitat. Donc, c'est efficace. Et d'ailleurs, l'efficacité énergétique, ou la notion de la bioclimatique, d'une manière. Je ne sais pas, est-ce que c'est. Il y a une imdrosa, ou là, c'est par observation, je ne sais pas comment. En tout cas, par exemple, dans les régions de l'Ouarzat, il y a des gens qui sont. C'est comme des ahya sakaniya qui sont efficaces, qui sont.
plutôt qu'ils conservent ou qu'ils construisent l'IA ou qu'ils trouvent le Xbox 4 en sans climatisation, sans rien. Donc voilà, c'est un bon exemple d'une maison bioclimatique. Sauf que là, il y a un autre inconvénient, les voilà la compacité. ما كتعرفوا تيكونوا الديور بشتتين وكتكون عندهم واحد السيرفاز ديشونج كبيره voilà. Donc l'autre question c'est quoi, c'est Jawad. Donc dans les installations domestiques, j'ai remarqué qu'on utilise des éléments ou des boîtiers généralement gris ou noir où un raccorde les PV avant les fusibles et l'onduleur. Bon, là ça concerne le photovoltaïque, ça ne concerne pas le Oui, justement, l'effet d'art, c'est donc de Wooster déjà fait la présentation, l'effet des arbres. Voilà, moi, il y a les feuilles de lampe l'hiver et donc qu'elle est surpassée, le rayonnement solaire, alors que l'été, qu'est-ce qu'on a avec le rétal, l'achdar, donc ils ne vont pas laisser la chaleur. Voilà. Donc j'ai parlé de ça. Donc bioterrasse là, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le vide d'un double cloisonné comme isolant à bon prix ou bien le vide fera l'affaire. Alors le vide normalement l'air c'est un bon isolant déjà. Donc seulement avec la lame d'air, on appelle lame d'air, et là quand on dit que la lame d'air c'est déjà suffisant. Donc c'est pas la peine de rajouter un l'isolant. Donc on a investir dans l'isolant à quoi que favor. Surtout là quand on a une lame d'air qui est épais. Donc je suis étudiant dans FMRE. Donc qu'est-ce que vous proposez pour isoler un toit métallique d'un bâtiment agricole? Donc dans les bovines. Alors normalement un bâtiment agricole. Je ne sais pas, je ne vais pas le bâtiment agricole. Ah, étable de bovin. Bovin, donc, par exemple, le djage ou la smithy. Oui, le djage, le courrier. Oui, 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 oui. Donc, il y a des choses. Bon, parce que le problème qui est toujours de l'étanchéité. Donc, c'est un peu d'étanchéité déjà. Je vais dire les Hollandiens. Bon, il y a les laines de verre ou la. Déjà, il a connu sous forme de triangle. Tu peux dire la fosse dalle, comme une lame d'air qui va absorber la chaleur qui est dans la structure métallique. Si c'est possible, bien sûr. Donc, est-ce qu'on peut considérer. Voilà, donc le tben, oui, c'est un isolant qui est végétal. Donc, qui stème le normalement après le séchage. Voilà, donc il faut le comprimer. Donc, à l'âge qui stème comme isolant, surtout au niveau de mur ou qui est un bon, c'est une solution d'isolation qui existe déjà ou qui stème là. Moi, je dirais que donc les arbres qui sont dans les champs d'agriculture, donc le tofaïlias ou d'akshi, donc ils sont dans les champs ou les campagnes, comme isolant naturel agricole. Voilà, c'est déjà la question suivante. Comment on peut fabriquer un isolant thermique? Bon, comment on peut le fabriquer? Ça dépend. Déjà, qu'il y a des solutions végétal et nous consommons les déchets de l'agriculture ou la smito qui est une des solutions que nous consommons par le sofa ou la les laines de roche et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs textiles bien sûr tel hawaj tu peux utiliser comme isolant. Donc là quand tu fais des processus de la fabrication, de la compression, de les tests d'inflammabilité et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs méthodes. Voilà les méthodes qu'on peut faire pour déterminer la conductivité de certains matériaux. Alors là, les méthodes pour mesurer la conductivité, il y a une des conductivités mètres, bon, le conductomètre,
دونك تقدر بون كاينين دي ميثود اللي هما كيستعملوا بون ترانزينت يعني بون اون فرونسي جو جو سي با ستيدي ستيت او ترانزينت يعني ترانزيتوار او ستيدي ستيت يعني كي نو ديبون با دو طون دونك هنا كاينين سي دو ميثود تشوف لا ليتيراتور راه كاينين بوكو دو ميثود دو ميزور دو كونديكتيفيتي بون la plus reconnue quand dire واحد la plaque chauffante واحد la plaque froide donc quand qui quand l'échantillon entre les deux plaques ou quand dire le décapteur de température on mesure de la variation de la température qui est واحد la formule selon la loi de Fourier qui permet de déterminer là ou là de déduire la conductivité thermique. Quelle est la différence entre l'isolation intérieure et extérieure? Alors je répète, pour l'isolation intérieure on la fait de l'intérieur, c'est-à-dire quand dire la dakhl dar ماشي برا اكستيريور كنديرو في لي مور مي لي مور من الاكستيريور كيكونوا اكسبوزي لاتموسفير هذا هو لا ديفيرونس تو سامبلومون اي دونك كوم جي دي ليزولاسيون انتيريور ان نو بيرميت با دو تريتير لي بون تيرميك دونك لي بون تيرميك كيبقى المشكل ديالهم كيفاش نديرو لهم ليزولاسيون alors que l'isolation extérieure une fois qu'on dire l'isolant من الاكستيريور ديجا جو بلوك لي بون تيرميك دونك il y a pas de passage de flux de chaleur à travers donc les ponts thermiques. Voilà la question suivante. Comment on peut déterminer l'épaisseur d'isolant pour des murs combles et des planchers? Alors normalement l'industrie bon il a quelqu'un droit à la côté choix yani technique fa chaque isolant est offert sur un واحد épaisseur اللي هي واحد ديال 6 ولا واحد ديال 12 ainsi de suite et donc هنايا fa ils sont exposés des c'est que ملي كدير لا سيمولاسيون ولا ليتود ديالك ولا الموديليزاسيون للباتيمون هنا تقدر من بعد تحدد انت لي بيسور اللي تقدر تنفعك دونك سوا تو مي دو ايزولون ولا كتو شيرش هذاك ليزولون اللي عنده ديك لي بيسور ديالك بون فوالا سي بور لو شوا ولا ديتيرميني لي بيسور ديال ليزولون دونك سا ديبون بيان سور هنايا لو برانسيب سي تو سامبلومون اون فيز ا ديمينيي لا كونديكتيفيتي ولا اوغمونتي لا ريزيستانس تيرميك alors augmenter la résistance thermique c'est augmenter l'épaisseur donc كلما تنكبرنا l'épaisseur ديال l'isolant كلما كنزيد la résistance thermique ديالو puisque c'est e sur lambda fois s donc c'est e sur la conductivité donc avec l'épaisseur كلما كتكبر كلما كتزيد la résistance ديالو. Votre avis sur la situation des bâtiments durables au Maroc soit tertiaire ou résidentiel et d'autre part pourquoi la RTCM? Bon, question d'application de l'RTCM, c'est une question de l'irada CSIA ou là. Je ne sais pas pourquoi, personnellement, c'est la même chose pour la subvention du système solaire, ainsi de suite, de le pompage ou de la photovoltaïque, ainsi de suite. Donc, il y a un mouchkil de chéri. Donc, je ne sais pas marasim les. La dérèglement qui qu'nous a application d'un règlement thermique de construction au Maroc. Pour le moment mazal ma kayen chi haja li bon بالنسبه اللي كاين اللي déjà existant fa ma kaynach chi haja efficace quand واحد العشوائيه في la construction. L'ijdad, ça dépend. Donc, à Chigal, le nouveau bâtiment, ça dépend. Kenin, des bâtiments qui mettent en considération les considérations déjà de bioclimatique, ou à l'efficacité énergétique. Alors, d'autres non. Alors, enfin, la situation, mais bon, puisque la question qu'il a traité deux choses. La situation en même temps le règlement de l'RTCM. Alors à l'RTCM, tant que je suis appliqué, bien sûr la situation m'a quatre farrache. Mais elle a des bâtiments déperditifs.
نتمنى ان شاء الله Voilà, donc ça là. ça va venir, qui me guette le port. Donc ça va y arriver, Inch'Allah. Ça va venir, ونتمنى Inch'Allah. نتمنى نتمنى Un déjà ملي نديرو لي ار تي سي ام peu de temps. سي ديجا بيان Voilà, donc فاش كاينه ديجا شي حاجه راه مزيان. دونك كنشكرك بزاف السي منصف على هاد لا بريزونطاسيون ديالك وهاد لا فورماسيون اللي ديالنا ديال اليوم. كنشكرك بزاف. دونك حتى لشي مره شكرا اخرى ان شاء الله بوغ لا بارتي سيمولاسيون. فوالا ان شاء الله نشكركم بزاف. نتمنى انكم استفدتم معنا اليوم مع السي منصف. دونك نتلاقاو غدا ان شاء الله في نفس الوقيته في فورماسيون لا سويت الى فورماسيون ديال السيستم فوتوفولتاي. نهار الاثنين ان شاء الله يكون معنا السي محا في لا تخوازيام سيونس ديال ليفيكاسيتي انرجيتيك في لاندستري, والثلاث غيكون معنا سي وحيد العسري سي ان اكسبير في لا برودكسيون ديال البيوغاز. غيهضر لينا على هاد لا تكنولوجي ديال لا برودكسيون ديال البيوغاز. دونك ميرسي بوكو ونتلاقاو ساعة الخير ان شاء الله. السلام عليكم. ميرسي بوكو سي مون شيف, كنشكرك بزاف اخويا. الله شكرا على جيب السي جواد مرحبا. السلام عليكم.